Félicitations à toi, frérot, d'avoir répondu à cette question. La question du jour est tout simplement: quel est le score final dans Foot de Rue Extrême, l'épisode 39 de la saison numéro 1, Del Toro vs la team? Dis-moi la réponse en commentaire. Et maintenant, je te passe la vidéo. D'où traitera la vidéo du jour? Les fans de Naruto, vous allez être complètement down. C'est parti, je vous mets la vidéo. Ouais, sur TikTok, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur un truc de malade que j'ai découvert en fait. Et ça concerne encore une fois Naruto. Dante Baya! Si tu trouves que je le fais bien, mets un cœur s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe encore une fois avec Naruto? Je pense que vous connaissez tous Foot de Rue. C'est un dessin animé où il y a du foot dans la rue. Voilà, non, sans blague. Ben ouais, sans blague, je te jure. Foot de rue. Bref, tu connais les bails. Ben, dans un épisode de foot de rue, en fait, il y a des petits qui se battent entre eux, en fait. Il y a une espèce de petite bagarre, tu vois. Donc, jusque-là, tout est normal. Il y a des petits qui se bagarrent. Tu vois, c'est la rue, c'est la street, c'est rien, c'est la rue, tu vois. Mais, qu'est-ce qui est important de souligner? C'est que parmi les personnes qui sont en train de se battre, il y a trois personnages qui ressemblent bizarrement à des persos de Naruto. Dans foot de rue, et on peut reconnaître Sakura, Sasuke et Naruto. Alors, qu'est-ce qu'ils foutent dans foot de rue? J'en sais rien du tout. Mais par contre, c'est ouf. C'est vraiment ouf parce que je sais pas ce qui se passe, en fait. Je sais pas comment ça se fait qu'il y a un caméo de Naruto dans foot de rue, alors que les deux séries n'ont rien à voir. Oui, là vous pouvez le remarquer, c'est tout simplement le youtubeur Adam le rigolo. Tout simplement, il fait des vidéos où il raconte des histoires qui arrivent aux gens ou des trucs paranormales, tu vois. Un peu dans un délire un peu sombre, brosson, t'as vu ou pas? Bref, je t'invite à aller voir sa chaîne parce que c'est sur sa chaîne quand même que j'ai vu ce truc incroyable qui m'était sorti de la tête. C'est vrai que sur le coup, à l'époque, je n'avais pas fait le rapprochement. Mais là, c'est complètement dingue, c'est complètement ouf. Et le pire, c'est que c'est vrai. Adam, si tu passes sur cette vidéo ou alors s'il y a des gens à aller sur sa chaîne, sur sa vidéo, taper juste Naruto dans foot de rue, taper juste ça et aller dans ses commentaires, qu'il vienne sur la vidéo et que moi je lui dise exactement l'épisode. L'épisode, c'est tout simplement foot de rue saison numéro 2, épisode 3, les irréductibles. C'est là qu'on voit Naruto, Sasuke et Sakura. Bon, Sakura, elle a le truc qu'on dirait à la mode Shion dans les Chevaliers du Zodiac. Mais c'est pas... c'est flagrant parce que j'ai la photo juste devant mes yeux et j'y crois pas. J'ai pas du tout fait le lien alors que je suis fan de Naruto et de foot de rue. Mais ce mec, c'est un génie. Ce mec, c'est un génie d'être tombé dessus. Franchement, fallait qu'il a cherché, je sais pas. Peut-être que vous étiez au courant. Mais moi, j'étais pas du tout, mais vraiment pas du tout au courant. Et le pire, c'est que j'ai commencé à regarder, recommencé à regarder foot de rue ces derniers temps pour pouvoir vous faire encore plus de vidéos. Et je suis sûr que si j'étais tombé dessus, j'allais le trouver. Mais Adam, il est fort, il est fort. Qu'est-ce que vous en pensez simplement? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Parce que moi, là, ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir. Moi, je me disais, là, je me suis dit, avec la nouvelle série Boruto qui est en train de sortir, qui est en train de faire un carton et tout ça, avec la nouvelle saison de foot de rue et qui va sortir la saison numéro 4, mais là, franchement, c'est carton plein. C'est tout bénef, promotion et tout ça. Franchement, c'est un truc de fou. Notre saison 4, elle va complètement cartonner. Bon, enfin, bref, j'espère peut-être qu'on retrouvera un Naruto dans la saison numéro 4 adulte et tout ça. Peut-être un ninjutsu et tout. Vous imaginez un peu? Bon, là, je vais quand même dans un délire assez fou. Apprêtez-vous parce que je veux sortir plusieurs vidéos théories avec Naruto dans foot de rue. Je kiffe Naruto, hein. Je kiffe l'univers de Naruto Masashi Kishimoto. Je kiffe l'univers. Bref, je voudrais aller voir des vidéos théories partout. Partout. En sorte que je mettrai Naruto dans la saison numéro 4. Limite, Naruto va faire du ninjutsu à l'intérieur, frère. Vous allez voir une sorte de crossover Naruto foot de rue. J'en ai. Je sais pas. Ça va être un truc de fou. Non, mais franchement, là. J'ai jamais été autant excité de faire une vidéo. Waouh, en fait, là, je vous donne mes premières impressions. Je vous donne mes premières réactions. J'allais même faire la vidéo en live avec une caméra. Mais je me suis dit, non, non, pas tout de suite. Non, pas maintenant. Pas maintenant, quand même. On va pas leur faire ça maintenant. Pas là tout de suite. Mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Et les fans de Naruto, manifestez-vous. Partagez cette vidéo en commentaire. Histoire que Adam le rigolo le voit. On sait jamais. Peut-être que. Ah, vas-y, c'est trop. Non, mais c'est. C'est ouf, non mais c'est ouf quoi. C'est ouf de ouf quoi. C'est waouh. Je crois que je vais m'abonner à sa chaîne au cas où il a d'autres trucs comme ça. Enfin bref, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie Adam, je ne saurais le dire dans cette vidéo. Je lui remercie d'avoir publié cette vidéo qui m'a permis de m'en rendre compte en fait. Et là, je fais 2-3 recherches sur internet, je me rends compte que c'est vrai. Bon, pour information, j'ai pu passer au moins de la saison numéro 1 à la saison numéro 2, épisode 3, pour chercher exactement où est-ce qu'on va Naruto, histoire de faire une miniature, t'as vu?
une magnifique miniature. Waouh, cette vidéo va être merveilleuse. Je crois que je vais sortir cette vidéo plus tôt que les autres. Enfin bref les amis, c'est la fin de cette vidéo. Attendez-vous à des théories sortir par rapport à cette semaine, la semaine prochaine, la semaine d'après. Et c'est parti. Enfin bref, peut-être que c'était au courant. Et moi j'étais pas au courant en vérité. Et j'étais pas du tout au courant. Enfin si, techniquement j'étais au courant à l'époque où j'ai regardé. Mais j'ai pas fait le lien. J'avais pas du tout fait le rapprochement. C'est trop ouf. Non mais c'est trop ouf. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais pas. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Enfin bref, voilà, c'est la fin de la vidéo. Je ne saurais le dire encore plusieurs fois. Je crois qu'il n'y aura pas de montage sur cette vidéo. Je mettrai juste les images dessus. Et puis basta. Je vais rien couper. Je vais tout mettre comme ça. Histoire que vous voyez toutes mes réactions en live comme ça. Waouh, c'est un truc de fou. J'ai trop envie de faire un live là. C'est incroyable. Je vais faire un live d'ailleurs dessus. On va regarder tout cet épisode ensemble sur un live. Je prépare un live dessus qu'on va regarder cet épisode. C'est incroyable. J'ai envie de kiffer cet épisode à mort. Ciao les gars, kiffez votre life.